avec ces visites Nio, puisqu'elle te continue à visiter commune Camperin, a notifié commune Camperin, c'est une commune dans le département sud là qui a recevoir plus gros travail dans le cadre de caravane changement, puisque il y a une route Camperin qui a fait. Et pour cela, il a fait avec deux revêtements différents. Il y a une partie qui a fait en asphalte et l'autre partie à lui-même qui a fait en béton hydraulique. Tout est immense à eux, je dis à téléspectateurs qui sont capables de suivre. Et il faut dire, Serge Niolendor, je dis à là, nous sommes encore une fois avec le président de la République, là, qui lui-même était à visiter Santé Germoplasme, Lévian, qui a une capacité pour capable produire environ 2,5 millions de pieds bois chaque année. Et pour cela, pour capable démarrer avec le reboisement pays. Et pour cela, nous connaissons le ministère de l'Environnement qui est très impliqué dans le cadre de travail. Ça. Tout ça, Serge Niolendor, nous sommes pour capable suivre jeudi à une émission spéciale ça qui a fait sous caravane changement. On a invité tous les téléspectateurs et branchés chez nous là pour capable suivre émission spéciale ça. Ricardine des Anges depuis département sud là pour télévision nationale d'Haïti. Merci à Ricardine des Anges avec Pems Jean-Baptiste. Mais là et l'image nous commence à voir déjà, hein, et image Carrefour Joffre Saint-Fol nous déjà ouais commence à avancer sur ce tronçon Carrefour Joffre Gaumone. Et puis bon, ça nous bon garantie, Napsou, trop son route ça, de temps en temps. De temps en temps, TNH pourra regarder comment travailler à avancer, puisque je ne vais pas suspendre, j'ai un peu le monde dans l'académie, ça a souligné, c'est un coup de serre qui t'attend l'appui. Hein? Route ça, vraiment, et c'est quand même une route qui pourra faire une grosse différence dans la vie, non seulement les gens qui sont dans la zone, mais tout le monde qui est habitué à fréquenter la zone. Ça. De temps en temps, TNH a passé, surtout 8 décembre, pas trop loin arrivé, pour nous garder dans quel niveau technicien a avancé à travailler, qui s'est fait, qui s'est pas fait, et puis par là, que les gens qui sont capables de partager sentiments avec nous pour travail, construction, tronçon route, Carrefour Joffre, en Safolet, mais quoi, il est là déjà, il y a l'asphalte qui commence à mettre sous tronçon Carrefour Joffre. Gomon, et de ouais, image sous télévision, hein, à Souaya. N'a pas avancé, et bien là, nous prenons dans le sud, nous t'ai annoncé, il y a un centre de tracteurs qui arrivait dans le grand sud pays, le ministre de l'Agriculture, et bien, Agonome Kamel André Belia, coordonnateur Caravane Changement, Agonome Thomas Jacques, nous t'ai accueilli matériel, ça, ça prend aider les paysans à mener l'activité dans les plus bonnes conditions. Le ministre promet pour l'accompagner, Jean Sable Fait, ensemble association, ensemble fédération planteur, pour capable aider à retourner faire la caille comme ça doit. Image, vous parlez, on a regardé ensemble comment ça a été pour river matériel, ça y est, tracteur agricole, ça y est, dans le grand sud pays, dans le cadre de caravane changement. Tracteur agricole ça yo, yo fait partie de stratégie caravane toujours. Donc actuellement nous sommes dans une campagne d'hiver, côté que nous faisons une opération coup de poing dans le cadre de labourage pour la campagne d'hiver. Donc DDA, en principe direction département de l'agricole sud là, avec coordination caravane, c'est eux qui font planification. Hein, côté que nous arrivons réunis près de 600 hectares que nous avons bien pour nous faire une opération pour le présent. Donc, dans le cadre de ça, nous avons une requête, nous avons une acquisition de près de 34 tracteurs que nous faisons, John Deere, que nous avons gardé là. Donc, c'est aujourd'hui, nous prenons sorti depuis hier dans la route, que nous prenons sorti dans le ministère, qui est capable de venir là, à tout accessoire, tout. Donc, c'est eux-mêmes que nous avons recevoir là. Et entre plus tard et demain pour nous faire une grosse démonstration avec eux, après pour nous dispatcher au niveau de toute plaine des Kaela, pour nous capables de préparer plantation, pour particulièrement pour campagne hiver. Il faut prendre que ça nous est là, il n'est pas prêté seulement au niveau des cailles. C'est là que nous avons coup de pied d'envoi dans le cadre d'un grand plan de labourage que nous gagnons pour campagne d'hiver, cap dispatché à travers les 10 départements du pays. C'est le résultat de planification que DDA a fait. C'est le monde qui vient inscrit dans le programme. Ouais. Mais nous gagnons les Anglais, nous gagnons Tobet, nous gagnons Cavaillon, Camperin, etc.
Alors pour la campagne ça, que nous avons participé, hein, au total nous avons 64 tracteurs qui ont participé là-dedans, mais pour le sud seulement nous avons 20 que nous avons utilisé. Et toute association qui est dans la zone et périmètre irrigué, ils ont inscrit déjà. Et c'est eux-mêmes qui ont inscrit, nous-mêmes nous connaissons comment nous dispatcher à travers les différentes communes du département. En tout opérateur. Oui, avec tout opérateur, nous, équipe mécanique, c'est-à-dire que nous avons toute une logistique qui est préparée pour ça. Alors, pour la campagne d'hiver, dans le cadre des opérations coup de poing que nous avons menées dans la péninsule sud, et gagné programme de labourage ça cap fait au niveau du département sud tant que le ministre Béliard sous précise là, mais en même temps tout gagner appui que agriculteurs commencent à recevoir par exemple dans le département de Nip côté yo recevoir plus de 10 millions de boutures de patates, recevoir près de 1 million de boutures de manioc, yo recevoir et semences maïs, il y a pour se voir semences pois. Donc c'est tout ensemble de subventions que surtout après et décapitalisation exploitation agricole après passage cyclone Mathieu que le gouvernement à travers stratégie ça qui est stratégie Cavana a porté support par eux bail agriculteurs pour permettre nous capables de redémarrer production agricole là dans la campagne d'hiver là. Donc c'est ou gagner département de Nip, ou gagner département du sud côté et gagner ministère des finances qui a fait des décaissements pour permettre le BDA et continuer à part seulement la bouage mais gagner apport en semences qui a fait tout et nous gagner département Grand'Anse côté pour avoir un ensemble d'appui aux agriculteurs du département Grand'Anse. Donc c'est tout ça qui a fait pendant que la caravane a déroulé dans la péninsule sud là. Donc gagner en pile agriculteurs qui déjà inscrit nous et ministère dit nous avons plus de 600 hectares dans l'opération coup de poing qui n'a pas aller au-delà du 15 décembre. Donc, nous avons tracté ça, nous parlons de répartir. Et nous croyons que nous prenons le travail. Et surtout, nous venons avec l'opérateur pour ça. Nous avons armé, nous avons encouragé pour faire le plus possible dans le délai 15 jours. Nous-mêmes prévoyons, nous avons parlé au-delà de 600 hectares, ça que nous disons là. Donc, si quelqu'un qui a inscrit ou bien dans la zone où il peut faire la boue, il y a l'autre parcelle qui mérite d'élaborer, donc opérateur tout là, bien équipé pour offrir service ça. Encore une fois, échéance là, nous pas compter aller plus loin que 20 décembre. Si vous demandez après le 20 décembre, parce que en fait, pour plantation haricots en particulier dans le cadre de la campagne hiver, nous pas conseiller que après 20 décembre, pour nous continuer de planter haricots. Donc échéance là, date butoir, c'est 20 décembre. Et ça, ça, c'est une contribution que l'État a portée par l'agriculteur. Mais il faut connaître que c'est l'agriculteur qui consentit le plus gros investissement. Donc, c'est une petite partie que l'État a portée par l'agriculteur. Et à partir de ça, c'est extrêmement important parce que l'eau prend une quantité de cobre pour que les paysans soient capables de préparer un hectare et qui n'a l'ordre de presque 10 000 gouttes à l'hectare. Donc, lorsque l'État apporte une contribution ça pour diminuer les dépenses que l'agriculture a fait dans le jardin, donc nous sommes capables de dire son contribution importante. Donc, c'est ça que nous vous dit, c'est à travers taxes que l'État a collecté et la retournée en forme de service par l'agriculteur. Donc c'est vraiment une partie importante que l'agriculteur dans le département sud ait besoin. Et on espère que la forme d'opération ça, la va le répéter encore pour la campagne printemps, qui pour permettre que, en fin de compte, bourrade qui est nécessaire pour l'agriculture à joindre, pour le capable vraiment résoudre le problème alimentaire pays, et bien bourrade ça est extrêmement important. Et son travail que nous fait à travers la direction départementale agricole du pays, ils ont tous déjà mobilisé. C'est coup de pied d'envoi, nous baillons ici. Mais nous avons comme d'autres ingénieurs Makedoua Soudil, nous avons près de 65 tracteurs disponibles, nous avons 20 que nous portons au CAI. Donc ça veut dire en même temps qu'il y a une mobilisation qui a fait dans l'autre département. Après Sud-Zénip, c'est-à-dire dans le côté que nous avons demandé.
puisque il y a des demandes qui viennent, nous voulons faire un chronogramme pour aller plus vite. NIP, licencié, il y a tant déjà de semences dans le maillot, il y a tant de préparations.